Devant nous la montagne, derrière nous la mer. Nous habitons le filet bien coupé. La parole chaque des gosiers en cascade ou en programme. Chaque jour son ballot de résignation et de pète en rire aussi. Les peaux dures, cette peau. Pour relâcher les peaux, on colle-colle, peau à peau, entre connaissances. Pour tout ce qui sort de dehors, qui n'est pas du quartier, c'est la méfiance. Notre quartier a une odeur, des odeurs. Rien qu'au bout de son nez, on sait si c'est l'heure du feuilleton, du beignet, du manger ou du vanguet. On n'essayait pas de redresser le monde parce qu'on n'était pas sûr de notre idée sur le monde. Et en fin de compte, on ne savait plus dans quelles jambes marchait ce monde. C'était juste la grosse houle, un bouillon l'écume qui se couille. Si on donne une photo de notre vie ici, c'est comme qui dirait un bouquet de bougainvilliers qui pète en fleurs, qui marronne et qui poique, 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 poique. On vit par en devant la vie sans être invité dans sa case. On est sur la touche forward et la touche est restée bloquée, on ne peut pas décoincer. Car un jour, quelque chose de grave arrive, soudainement. La vie, elle stoppe un instant, le temps d'un effraiement, et la vie remonte sa pente et ça repart. Mais la souvenance, elle reste tatouée là. Gasque et moi, on est juste arrêté sur pause, juste le temps de l'histoire. Brise de mer, brise de terre. Si notre histoire est menteur, Lohan et moi, on n'est pas l'auteur. Rien, rien. Tiens, tchou, boum, 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 boum. Coute-toi sur le barreau. On n'est pas là pour l'embobinage, coco. De bébête la nuit, de chemin blaqué, mais pas de babacoute. Juste un fond de chagrin dans nos pieds de cœur à dire. Pour soulager. Détaque la mouche. Vite son bétel. Dégraine le temps. Il y a eu si tant tellement l'ambiance. Si tant tellement de bordel. Si tant tellement de vie, en finale. Je demande si tout ça existait pour de vrai. L'histoire, ça a débuté quand les tantines ont inventé leur féerie et que quelqu'un de dehors a débaroulé dans leur compte. Les tantines du quartier, c'est Babette, dites Canette. Sophia, dites Sophia. Gwendoline, dites Gwen. Patricia, dites Ticia. Virginie, dites... Virginie. Stéphanie, dites Steph. Et surtout... Coraline, dite Cora. Nathalie, dite Buzz. Et Liliane, dite Pose Pipi. Et ça devient une obsession à te fabriquer la folie. Tu tricotes ta folie. Mais ta folie, elle était là en dessous depuis longtemps, comme la mousse sous les bois. Elle te mouille ta cervelle. Es-tu obligée de décider de bonne fois pour toutes avec toi? Je me suis dit, c'est ton corps casse-cassé qui lève de son lit et qui braille. Debout, carcasse. Debout avant le moisissement. Pose le chiffon sale, sort de ta coque pistache. Tu dis Val, pour un change de poster. Heureusement qu'on s'est décidé, les chéris. Ensemble, on va serrer le bâton lumineux. Unis, jurés, crachés. On va bouger et prendre l'animation du quartier en main. En gros, on va arrêter de se faire chier, ça revient à quelque chose. On traînasse en chiadant. On n'a plus de regard dans nos blancs d'œil. Plus de bras, son courage. Plus de mains, l'ouvrage. T'es, ben je travaille, moi. Je pose pas ma fashion galée. Et tu te fais pas chier? Ah, je sais pas, je me suis pas demandé. Bon, on rebranche les ampoules, les filles. Unis, jurés, crachés. Atteindre le septième ciel, faut pas avoir peur des mots. Tu sais c'est quoi le septième ciel, Cora? Faut croire que non, ma vieille.
Moi, le 7e ciel dans un lit avec casque, tête à tête, ça va 5 minutes. Mon ambition, c'est au moins 10 000 personnes dans le lit. C'est bien fait pour ça, fesse de bouc. Ça va relayer notre show. Bon, on fait un tableau. On marque les noms de chaque fille. Plus les amis, les connaissances, l'entourage, Radio Cocotier. Le succès, il arrive en créant un corridor stratégique. Demandez aux bienveillants de mettre la main ensemble. Créer un groupe de bénévoles. Et pas refuser une patte tendue. Même gommée. Maman politicard s'il faut, qui nous suivrait, qu'on intéresserait à notre démarche. C'est pas une bonne idée ça, non? Un gros zozo c'est mieux. Et tout ça, ça te fait pas peur, post-pipi? On a besoin que de notre force. On a un affaire tout ensemble. Quand on a un affaire, les gens sentent automatiquement. Faut croire en sa potentialité. Même si les gens te jugent sur un regard, c'est vrai, un œil et tu es tout nu. Faut continuer à être solidaire. Ah, moi, c'est le dernier cas d'effet, je suis le solidaire. Moi, je préfère l'égalitaire. C'est mieux. Bon, et danser sur le chemin blanqué devant tout le monde, vous êtes pas un peu gazé? Tu nous trouves trop vieille, Cora? Tu causes seulement rien pour moi, la buzz. Et on n'a pas 20 ans, mais on a la beauté qui déborde, comme qui dirait. Change de chanson, Cora, arrête de te plaindre. Les vieilles, en fait, ça revient à la mode. Les grosses aussi. Et alors, c'est bien. C'est juste, les gens veulent la chair, la viande d'origine, des femmes qui assument, qui touchent le cœur, les défauts, l'émotion et tout ça. Des femmes du quotidien, pas des trucs de magazine qu'on dirait du toc. Il n'y a pas si longtemps, le faux, on aurait chatouillé le doigt de pied de diable pour ça. Et ben, on a évolué, mûr comme des mangues. Va falloir prendre son courage, il va pleuvoir du boucatage, les filles. On fera frémir les pompons, on va repeindre le ciment. Va falloir assumer la fête. Le mieux, c'est d'aller à fond. Le costume, c'est un déguisement, ça cache et en même temps, ça va nous libérer complètement. Comme les Claudettes, elles étaient à dos les ballons, elles. Et elles étaient bien chaloupées, pas comme nous. Elles étaient pas baguettes jazz comme aujourd'hui. Je suis d'accord, il y avait de la fesse et du tété. Et du vrai pour vraiment. J'ai causé avec mon Loan de notre projet. Il m'a dit, vous voulez faire des étincelles d'artifice avec votre prestation, les filles? Attention, ça sent le pétard mouillé, la pluie de la dilapée. Je vais te ramasser à terre dans la poussière, continue. Tu parles d'un soutien? Mon mari l'a dit, pauvre couillonne. J'ai pas prêté attention vu que ça bouge sale 17 fois par jour. Les bonhommes, c'est des voisins, piquants en dehors et doux par en dedans. Mon mari, il a tellement la déprime que j'ai enlevé sa photo du bébé pour pas qu'il se souvienne qu'il existe vraiment. Mais rien à faire, il se rappelle quand même qu'il y a debout dans la vie. Quatre pattes, mais debout? Enfin, debout tiens, pas. Enfin, moi, à mon époque, on m'avait dit que c'était ton mari qui te portait, qui aidait à avoir une vie différente. Tu dates vraiment, Cora. En fait, les bonhommes, ils jalousent. Ça va les enquiquiner, qu'on scintille pas rien pour eux. Gasque, il m'a dit, c'est vieux, votre idée, ça te fait plus dans votre époque. Justement, j'ai dit, le vintage, c'est au bout du jour. Bon, on va pas se laisser démobiliser, parlez-vous, vous travaillez, les filles. On se donne une charte. Chartre? Aïe, aïe, aïe. Plus jolie? C'est nous. Plus gâtiants? Nous-mêmes. On n'est pas les plus niaises. Le jour où on capotera les poules en dedans, les contres. Sont des têtes charbonnées, les moucateurs, les cadavres en slip, droite de bout, toutes dans la fête. C'est plus joli, au moins avantagées, toutes avec nous, dans la cité, toutes twirligueuses. Voyons, pas mal du tout, ça fait du bien, il faudra juste appuyer. Et toi, tu tapes ta bouche, Cora? Bah, Youn, je suis ballottée là. C'est la souvenance, ma grossesse. Notre projet, en fin de compte, c'est comme la délivrance. Ouh, comme quand j'ai envie d'aller cabiner et que tu retiens après. Enfin, je dis pas que je suis pas en l'air. Mais je pense à mes cicatrices, le ventre au feuilleton. Et en plus de ça, comment je vais faire pour que ça sorte pas du juste au corps? On planque rien. Rien en misouk. On met en valeur, on expose comme coupe sur podium, on sublime.
qu'on mette le feu au quartier tous les dimanches. Le feu? Manière causée, quoi! Tension la société, tension, tension, avec clac clac, ça va faire boum boum. Au programme mes compères, carré haut, Paloma s'est fait renverser par une voiture, c'est juste l'aile droite de la bagnole qui a pris un coup. Célestine est là pour contacter les esprits, vous tirez les cartes et vous tirez l'affaire au 00-888-00. Oui je sais, elle a tenté de contacter l'esprit de Jennifer la dernière fois sans succès, mais ça va venir, je le sens. Cécilia est allée voir José pour essayer de sauver son mariage, mais il a dit que tout était fini, archi fini. Julie a été victime d'une explosion de cocotte minute, même pas mal, aucun bobo, heureusement juste choc psychologique. Explosion encore arrivée entre deux voisins à cause d'un coq qui sonne à 4, 8, 10, 15, 17, 20, 24, 1 heure, le médiateur des voisins est sur le coup. Kim est avachi sur son canapé et se goinfre de chips orange bien grasse au bacon. Sylvette, à son chevet, grignote une carotte crue et incite Kim à se ressaisir, à trouver du boulot pour reconquérir le cœur de Sonia. Petite annonce ce soir, présentation de bons plans et astuces pour partir, s'équiper, se loger, se divertir, à moindre frais, voire sinon gratis. Tension, tension, un terrible virus s'est abattu sur le carré H. Les personnes touchées se transforment irrémédiablement en fous furieux. Pour preuve, Marilyn se balade comme une étoile phosphorescente, toute de rose vêtue, parapluie compris, en criant à tout le monde, d'une voix néanmoins suave, je cite, « ta gueule, rends-moi mon soleil ». Et dimanche, comme d'habitude, non ma jojo, non ma jojo, non ma majorette. On y va, majorette. On dit tout le ring, bâton. À la pour aujourd'hui, les nouvelles de Clac au compère. C'est un quartier, on peut pas dire pareil qu'un autre. C'était un peu chaud chaud. On était un peu effrontés, mais pas des mauvais gars. Quand le fait noir arrivait, on gardait notre casquette pour jouer au loup-garou. Mais c'était pour amuser. On écoutait le silence battre coup de Dieu. On faisait les matadors, un peu. On usait la fesse sur le banc trottoir et on t'entouchait les heures. On lookait les filles qui vont à la salle parce qu'elles avaient des collants moulecans. On s'amusait à pisse comme chien bâtard, juste pour rigoler. On s'amarrait la langue des fois. À l'époque, on n'avait pas l'âge d'abuser sur la boisson autant, ni sur la fumette autant. Mais bon, regardez ma main. C'était le quartier. On était comme ça. Et puis, le temps a stoppé net ce dimanche-là. C'est un petit quartier, bien ensoleillé. C'est un petit quartier qui a la volonté. Ni poulet mobilette, camion bas, c'est la fête. Les dos sont bien courbés, le boulevard éclairé. C'est un petit quartier, hopé, bien ensoleillé. C'est un petit quartier, Maya, qui a la volonté. On a nos footballeurs, on a nos amuseurs, des buvettes à gogo, une petite salle des fêtes. Et même nos majorettes. On dit pas majorette. On dit tout le monde pardon. Nos majorettes. Nos majorettes. Dans ce temps-là, j'élevais des pigeons. Rapport l'annonce la fermeture le bureau de poste du quartier. L'élevage de pigeons en ville, ça cause des râlés poussés avec le voisinage.
Depuis longtemps, les gens disent, les éleveurs de pigeons le vissent. Ton pigeonnier sur le toit, c'est pour épier les gens par en bas, voir les tantines toutes nues dans les salles de bain et repérer les biens des gens dans leurs cases pour les voler plus tard. Ben, les pigeons espions, ça existe encore dans certains pays. On a mauvaise réputation. Mais moi, je m'en foutais. Moi, c'était pour la passion, les pigeons. C'était dans l'idée de faire comme dans les films, les pigeons voyageurs. Pour le courrier. La poste volante, c'est plus efficace que la poste à pied, Coco. Un pigeon, c'est 90% d'efficacité. Un bouc, c'est 30%. Voilà, c'est écologiste. On va pas laisser les gens sans la poste, quand même, l'a dit. Le pigeon, il est un peu pareil nous-mêmes. Il faut qu'il situe l'espace, sinon il est un peu comme un enfant analphabète dans une ville inconnue. Le pigeon, il a un œil perçant, qui fait qu'il retrouve là où il y a son manger. Mais pour ça, faut dresser, faut soigner. Nous aussi, on est obligés de remonter les courants aériens. Faire des cercles au-dessus des situations, survoler la vie par en dessus. Est-ce que j'aime être à quatre pattes en train de gratter les fientes de mes pigeons et pigeonneaux? La réponse est oui. J'avais pas de boulot, ça occupait. Se lever bonheur pour aller chercher du boulot, pas la peine. Rien que le nom du quartier passait pas. Il passait pas. Ce dimanche-là, tous mes pigeons la foutent le camp. Adieu, jamais vu. Environ dans les 6h soir, on barrait du quartier, défalqué. On traversait la 4 voies à pattes, pattes de velours, casse mon tour, garde à droite, garde à gauche, courir pour pas te faire craser. On prenait un assis sur les galets, devant la mer. Enfin le silence dans les oreilles. Cadence, cadence. Un petit musqué, emballé. Des fois, on emmenait le journal et on lisait. Les gens dans le journal écrivent des affaires baroques, baroques. Hein. Voilà les prix sourires. Du côté des légumes, tout va bien, tout va bien. L'épaule cuite et solidaire. Désertion du chocolat. Le riz de luxe. Le poisson. Trop. Cher, la morue. Trop. Salé. La saucisse. 40% de matière grasse. 20 morceaux de sucre dedans. Et le diabète. Galopant, galopant, galopant. Manger des breads. Ayez un regard différent. 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 Ça nous emmerdait pas, Nova. On lisait ça comme une chanson. Et toutes les denrées, on les voyait danser dans la mer. Et Gasque, l'archien pigeon, qui circonvolutionnait pour tirer notre tête dans la touffe de nuages. Je voudrais être Shakira. Parce que c'est la honte, mais je suis un peu amoureuse d'elle. Depuis que j'ai vu son clip, je me coiffe pareil et je suis tous les jours sur son blog. C'est une nana super, qui a super réussi, qui a sorti sa tête de l'eau, qui s'est fait un nom. Je l'écoute en boucle sur mon iPod tous les jours. Même quand on fait pas les présentations dans la rue, je danse. Devant la glace, la douche, partout, tous les jours. Je fais tout en chantant ses chansons. C'est même pour ça que j'ai postulé pour le magasin de disques malgré leurs yeux sales sur mon décolleté. Elle a des femmes trop cool. Vous trouvez pas? Bon, dans la vie, elle est plus simple que sur scène, hein. Tout juste un jean et un t-shirt. On voit tout de suite que dans la vraie vie, c'est une vie droite. On peut vivre deux vies en même temps, je me suis dit. Moi, je vivrais bien dans sa vie. La mienne de vie, elle ressemble à rien. Dans un trou pourri, avec que la vulgarité autour. Alors j'ai dit oui pour le twerling.
Même si c'est pas mon ambition. Même si je hais leur discussion de merde et leur petite ambition de merde. Le twerring, c'est juste pour me faire connaître. Et exercer mon corps pour quelque chose de plus grand, parce que... Y a rien de plus grand que de chanter devant des millions de gens en live. On est en communion avec eux. Ils font comme partie de votre famille. Moi, j'ai rien à voir avec ma famille. Les mecs disent que j'ai du chien. Ça veut dire la classe. Et la classe, c'est un truc de naissance. On l'a ou on l'a pas, c'est tout. Si on me regarde plus sur scène, c'est pour ça. Parce que je peux le dire, Cora a des jambes 100 fois plus belles que les miennes et la bouche de Buzz. Même si elle exagère en maquillage, en grimace, elle est tout ce dont on peut rêver comme bouche pour un chirurgien esthétique. Putain ! Oh putain, je dis pas le jour où elle est arrivée, Coco. J'ai remercié la Sainte Vierge pour avoir descendu sur la Terre son plus joli chef-d'œuvre. Quand elle a pris l'embauche au magasin de disques, faut dire, elle a été embauchée tout de suite pour tout de suite. Ça a un peu même carrément énervé les filles car elles avaient essayé d'avoir ce boulot aussi. Bon, eh ben le taux de vente de CD, il a augmenté d'un coup, Coco. La case, j'ai une collection de CD à cette heure. Alors qu'avant, j'écoutais seulement la radio. Bon, au final, on ne peut pas dire que j'écoutais les CD. Ça mettait Buzz en pétard. Elle voyait bien qu'il y avait un bistrac pas clair avec les gars et cette fille. Mais je jure, on ne l'a jamais touché. Et elle voulait pas. À croire qu'elle était de l'autre bord. Non, ça. On lui a pas fait le mal. Ce dimanche-là, on n'était pas dans le coin là. Je jure. Je jure. Elle avait un bistrac. C'est tout. Comme une magie, comme si elle avait des aimants par-dessus elle. Et les aimants, on peut pas résister, c'est la physique, c'est tout. Elle avait vraiment la classe. Tu la voyais danser, t'avais envie de serrer dans tes bras. Un joli petit gomme, un petit chiot parmentico, un petit animal. La première fois, j'ai dit « Bonjour mademoiselle, je m'appelle Lohan et vous ?» Je me suis étonné moi-même, par le langage, je veux dire. Parce que d'habitude, c'est « Oh pétantine, tu bouges ?» Et Larry a répondu. J'ai trouvé ça top parce qu'ici, elles font l'intéressant tout le temps. Elle m'a fixé droit dans les yeux et j'ai baissé la tête par en bas. 36e de sauter. Pour une première fois, j'ai su que même un bouc comme moi, elle peut virer rouge en sang. Je suis pas le style à faire la romance. Mais là, je me suis pas reconnu. C'est comme si j'avais joué un match de foot. J'étais en transpiration. Il y avait des phrases de l'école, des phrases du code de français. Et Dieu sait que ça date, j'étais nul. Et là, il y a des phrases qui ressortaient en nom entier dans la tête, genre « Mignonne, allons voir si la rose. » Complètement ouf. J'ai demandé à Gasque d'envoyer un pigeon porter un poème pour elle, mais je sais pas s'il est arrivé au pied de sa fenêtre. Pour dire, on était rendu avec elle, mes amis. Tension, la société, tension, tension, avec clac, clac, ça va faire boum, boum. Au programme, mes compères, carré, oh, Johnny voit son ascension politique contrariée par une sale rumeur qui circule. Ses chances d'être adjoint de quartier étaient déjà proches du zéro qu'elle passe, et par-dessus, il plonge dans une dépression. Mais il a fait la connaissance de Mylène, une twirlingueuse. Cette idylle va-t-elle le remettre sur pied? Les paris sont lancés. Ma tante Rose, qui se rend tous les jours à l'hôpital voir son cagnard de fils malade, est soupçonnée par le docteur d'aggraver le cas du fils. Le docteur en question l'empêche de se rendre désormais au chevet de son rejeton. Qui a tort? Qui a raison? That is the question. Carré A. À la dernière loterie, Sylvette a gagné un micro-ondes. Michel, dit Timichou, l'accuse de tricher et veut récupérer le four sous prétexte que le numéro gagnant était le 24 et que 24 ou 42, c'est juste une question d'inversion. Bel exemple de reconversion. Georges et Suzette, passagers de métier et ayant largement atteint le groupe de la troisième jeunesse, ont décidé de monter une boutique solidaire au corner du A et du H. On leur souhaite bon courage. En parlant du H, ça ne va pas mieux, le bureau de poste est en voie d'être fermé. Casque a eu l'idée lumineuse d'élever des pigeons courriers pour le bien de tous les administrés. Le médiateur des voisins est sur le coup.
carré H, oui, décidément, encore le H, les pneus de la voiture des parents de la petite Jenny ont été crevés. On recherche le ou les coupables. Les nouveaux appartements livrés au carré F, un grand renfort de caméra et de prout-prout, tiennent de leurs promesses. En moins de 6 mois, les malfrats sont tentacules à une vitesse jamais atteinte jusqu'à présent. Et dimanche, nos majorettes, alors pour aujourd'hui, les nouvelles de classe au compère. Les plus jeunes. Qui osaient pas monter sur le podium, mais qui s'habillaient comme les copies, les vraies vedettes. Des visages froissés comme papier d'emballage par le gros soleil, d'autres qu'on aurait dit en plastique. Des corps pressurés comme sous le bois billot dans des costumes. On formait un cercle et on tapait dans les mains. Clac, clac, clac. Des gars diplômés en juron. Hopé. Ma mère. Et Lolola. Des marmailles qui couraient en rond comme des circuits automobiles. Des vociférages. Wouhou. Bon, ça. Mol. Casse pas la boîte canard. Des. Ouais, hippipipoura. Des. Ah, pousse-toi que je me mette au premier rang. Des. Pousse-toi que je filme avec mon portable. Des. Je pousse ou je tire. Des. Tu m'as poussé enculé. T'es ma tante qui distribuait 2-3 calottes dans la gueule. T'es ma tante en commentaire. C'est la fille Intel. C'est ma petite fille. La mienne les plus jolies. T'es ma tante en pêle-mêle de... Ah, cœur de lion. Gawé. Timacrène. Timiment. Seigneur Marie, Jésus aussi. Une calotte dans ta gueule si tu mates ma tantine. Une calotte dans ta gueule si tu mates pas ma tantine. Des fois... Des canettes volées en gras. Alors,
On faisait le cordon autour des filles. Et des fois, les talons sautaient et trébuchaient sur les capsules à terre. On se disait, allons voir les filles danser comme sur les clips de la télé. On se croyait cap de toutes les extravagances. On aurait dit une cérémonie en l'honneur du démon de la Sainte Vierge. Au choix. Avec les gens comme des bougies incandescentes. C'était comme si on avait appuyé sur un interrupteur et que tout le flot de contenance de chacun se déversait en colère et en vice, comme en compassion et en joyeuseté. Chacun oubliait en ces moments ou non. On oubliait les soucis. Comment ta grosse maman te tapait sur la tête avec une louche. Comment ton papa y rétrécissait. Comment ton patron, si t'avais la chance d'avoir encore un, te faisait chier. Ouais. Tout quoi. Tout quoi. Enfin, plein de trucs. Voilà. Chaque jour que j'écoute ma star, je me demande, est-ce que je pourrais aimer un jour d'autres chansons que les siennes? Est-ce qu'en écoutant mille fois les chansons, je vais pas me fatiguer un jour? Quel degré faut atteindre en saturation pour plus supporter une chanson? Les enfants, ils écoutent mille fois la même histoire et ils redemandent encore. Est-ce que finalement je suis pas restée gamine? Est-ce que les fans, c'est pas des grands gosses? Les paroles de ces chansons, elles reflètent mon âme. Elles les interprètent avec tout son cœur et toute son âme. Et moi-même, dans les exhibitions de merde, je fais comme elle. Je mets toute mon âme. C'est pour ça que j'aime tout le monde. Rien à voir avec la technicité. Je suis quelqu'un de solaire, on m'a dit. Et je crois que c'est vrai. Et je fais tout mon possible pour que les rayons de ce soleil atteignent les cœurs du public. Je sais. C'est terrible de télécharger sans cesse des chansons et même sa sonnerie sur mon portable. Ici, je montre pas mon portable. Il est trop chic. Il a une pochette en strass. On se moquerait de moi, il n'y a pas d'objet de ce genre par ici. Mon père et ma mère, ils n'arrivent pas à s'adapter à ce quartier. On n'est pas difficile, mais c'est juste pas possible. Quand on n'est pas né dans ce monde-là, c'est compliqué, même si l'envie manque pas. Les gens nous regardent drôlement. Pourtant, on est des gens simples. C'est juste l'éducation qui change. Je ne juge pas en disant ça, mais plus rien, c'est la vérité. Les différences, il ne faut pas les nier. Tout le monde sait ça, même si les gens veulent croire que ça n'existe pas. Maman va bosser en ville la journée. Elle est institutrice. Papa a perdu son job de cadre, on a dû quitter le quartier chic. Papa reste dans l'appartement, elle m'inquiète un peu. Moi, j'ai décidé de franchir le pas et d'aller vers eux. Mais je compte pas moisir ici. Putain! C'était la plus jolie chose qu'on voyait de notre vie, Coco. On levait le matin rien que pour voir ça. Un bec rose, un casque de cheveux soyeux, léger comme le duvet des pigeonneaux. Un nombril légèrement en l'air, mais pas la vulgarité. Un bouton brun qui dépassait, léger de la jupe. Un croupion à faire exploser la terre et une petite bouche fine de Madone. Elle travaillait au magasin de disques. Et nous, on allait deux goûter devant tous les matins pour s'ensoleiller la journée et tous les soirs, avant de rentrer la case, comptabiliser les vergetures de nos femmes qu'on connaissait par cœur. Cette fille-là, Coco, c'était un ange descendu du cœur de Marie, un bouquet d'arômes, une immaculée conception. Et nous, on n'avait pas un regard sale, mais on était émotionnés. Et ça, pour un bouc, c'est rare.
Elle s'appelait Jennifer. Mais on disait... Jenny. La botte était aussi brillantissime que la fée Mounoir. Un talon haut comme ça. Et du vrai cuir en vache dessus, et bien mastiqué. Ça brillait au soleil. On imaginait que la garce avait laissé exprès la bottine d'un carreau de zèbre comme un présent mal intentionné pour que nous, les gars, on la trace à distance. Ça amusait sa bouche de nous narguer, de nous faire baver un peu avec sa jupe en sky des joueurs de défilé. La botte, au soleil, toute blanche, devant tout le quartier, brandie sur l'estrade ce dimanche-là. Ce dimanche-là, j'ai perdu la boule. On a dit que c'était ma faute. Moi je dis, c'est la faute à la fille du clip de la télé, Shakira, ce qu'on raconte. Que ce dimanche, j'ai pas voulu qu'elle soit capitaine. On avait dit tous les trois mois, on renouvelle les capitaines. C'était le deal et c'est le respect qu'on s'était fixé entre nous. Je suis peut-être pas la plus jeune ni la plus jolie, mais je suis la meilleure danseuse. Sauf mon respect, le groove, c'est moi. Les idées de chorégraphie, c'est moi. Et puis on s'était juré d'être clean, et les mains sur les fesses qui traînaient, je supportais plus. C'est comme si les gars étaient en chaleur, et ça, on peut dire que les gars se lâchaient sur nous, vu que sur elles, ils pouvaient pas. Ils faisaient même des paris à qui soulèverait la jambe plus haut. Et elle s'arrangeait toujours pour écarter plus grand les jambes, alors qu'on avait dit tout le monde à la même hauteur. Le cercle autour de la cuisse, c'est moi qui réussis le mieux à la plus grande vitesse. C'était quand même juste que je passe capitaine avant une étrangère. Thank you.
En ce moment, je fais quoi, la capitaine? La capitaine, elle annonce les enchaînements à coups de regard au coin. De petits gestes. Rebonjour, Jenny. Moi, c'est Coraline. Ça veut dire corail, comme le lagon. Elle a le cœur dans la main. Je suis prête à te driver, tu vois. Le vendredi après-midi, on fait répétition publique. C'est dire un peu tous les jours, remarque, les gens du quartier lookent souvent par la fenêtre nos évolutions. Faut pas se dégonfler. S'il y en a qui te traitent de ringarde, vieillotte, topose, ce genre d'affaires, tu fermes les oreilles à clé double tour. Oui, on remet le twirling au goût du jour, on modernise, avec les musiques déjà, et les tenues. Si ton bâton tombe, faut dire que ça tombe souvent, et que t'entends ricaner, tu tournes vers le cul de sa mère, tu lui prêtes ton bâton pour qu'il fasse le geste, ça arrachera moins la mâchoire. Les jongleurs professionnels, eux aussi, font tomber leur quille. Il n'y a pas de complexe à avoir. Certains voisins perçoivent mal, mais d'autres sont fans de leur groupe. Et hop, mais... c'est bien d'avoir une nouvelle amie. Moi, avant, j'avais une copine. On était comme les seins doigts de la main. Mais son mari a voulu déménager ailleurs pour mettre la chambre de son côté. Ça a été dur pour moi. En même temps, tu nous annonces, non? T'es nouvelle toi aussi? Oui. Tu viens d'où? De la ville, mais je ne préfère pas en parler. T'es pas très causante, mais respect, hein. Demain, on va au centre commercial pour choisir le maquillage. Tu viens avec nous? Je déteste les centres commerciaux. Ah bon? Nous, on va tous les samedis. Tu vas habituer. Tu verras, il est bien notre quartier. C'est un petit bout de monde. Ce qu'on fait, c'est du beau, majorette. C'est utile. C'est une autre idée nous-mêmes qu'on donne du quartier, majorette. Allez, viens. Allez, viens. Je vais te montrer le vestiaire. Société, tension, tension, avec clac clac, ça va faire boum boum. Carré H, l'actualité brûlante, chaud devant les dallons. Marilyn, étoile filante, se présente avec le soutien du voisinage au concours de Miss Forte Forte. Les paris sont relancés. Toujours H, David se prend pour un super héros. Gavé de super comics depuis sa naissance, il escalade le bloc avec des draps noués et des ailes dans le dos. À quand la chute? Carré A, Kim est toujours désespéré d'avoir perdu Sonia. Il se décide d'appeler l'émission L'Amour en ligne. Il sera en direct la semaine prochaine et certains songent à s'acheter un écran plat pour l'occasion. Carré O, le docteur a réussi à convaincre ma tante Rose à abandonner toute cruauté envers son fils et son prochain. En général, connaissant ma tante, ce docteur a dû être extraordinairement dissuasif. Coquet, hors notre coquet, ça dit ce machin. Rivifi au corner. Deux boutiques s'affrontent au vu au-dessus de tous. Tout allait dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que l'une reproche à l'autre d'avoir mangé son chien. Ou acheter sa barquette du midi. Gros dilemme chez tous les habitants. En parlant de chien, passage de la SPA ce matin et voyage de galets dans leur pare-brise. Je cite, à qui est ce chien? Nous venons vous débarrasser des chiens errants. Réponse du quartier. Hé, c'est mon chien ça. C'est communautaire ça, oh. Dégage. Hé, chacun des... Et dimanche. Non ma chocho, non ma chocho, non ma chorette. Ouais. On dit que tu arrives à la pour aujourd'hui. Les nouvelles de claque, mon compère. Moi,
Les filles, c'était comme une bouffée d'air frais tous les dimanches à se déhancher au carrefour avec la sono à fond et à faire passer la mode pour améliorer le quotidien. Et surtout avoir du plaisir. Mon Dieu, oui. On peut dire que tous les dimanches, on en avait à looker des gambettes. Bon, il n'y avait pas de tri sélectif, donc il y en avait pour tous les goûts et couleurs. Des petites, des gros popotins, des vilaines, mais qui font tourner le bâton à vous faire pousser les hopé. Ha! Le musclé des cuisses et même le marf. Bon, on moucatait, c'est sûr, mais c'était pas méchant. On les aimait toutes les filles, Coco. D'ailleurs, ma tantine, elle s'est tout de suite portée volontaire pour leur projet d'animation du dimanche. On a cotisé, tous. On s'est dit, il va y avoir de l'ambiance dans le quartier, les gars. Bon, j'avoue, la fesse aussi. Mais c'est vrai que à tourner en rond tous les soirs dans la salle des fêtes, à s'enquiquiner, à faire de la gym douce, les femmes, elles méritaient mieux. Et je me suis porté volontaire pour présider l'association. Tirage de pénalty tous les soirs, mes cocos. Ça vous enthousiasme à neuf. Je servais de comptable et motivateur de troupe pour les prestations. Moi ? Les tantines, je regarde pas. Pas d'intérêt. Juste Liliane et sa chaleur. Et sinon, les œufs à gaspiller le soir avec Gasque. Et la journée ? Eh, je suis le roi de la débroussailleuse. Prince consort, espace vert. Ramassez les feuilles. Ramassez les feuilles. Ramassez les feuilles. Et la guée. Ça calme, ça repose. J'ai pas d'animaux comme Gasque. J'aurais bien eu un chien. Mais Liliane m'a dit, ça pue les chiens. Alors, je connais les plantes. Bon, dans les bons coins, ok. Mais aux plantes quand même. Le jour où il est arrivé, ça a changé la surface de nos vies. Le jour où il est parti aussi, ce jour-là, ce dimanche-là, j'ai rien vu en premier d'abord. Pas vu tout de suite la botte. Une botte blanche en l'air qui brillait au soleil. Parce que, d'abord même, j'avais la tête dans le porte-monnaie de Gasque à compter les centimes que les gens mettent dans la moque pour les filles. Des doigts pointés. Et les voir monter et monter en queue d'église. On n'avait jamais entendu ça excepté la messe. Puis, j'ai vu, comme je vous vois. Puis, le quartier a stoppé net d'un coup de fouette. Puis, on est resté muet au moins une heure, voire plus. Voire plus. Elle avait de la classe. Vraiment. Et rien qui dépassait. Comme la copine de Barbie. Parce que la copine de Barbie, elle est pas blonde. Et naturelle avec ça. Que du biologique, la fille. Elle adorait Shakira. Alors nous, on lui criait. T'es plus mieux que Shakira. T'es plus mieux que Shakira. T'es plus mieux que Shakira. Et ça rendait les autres jalouses. Quand un gars avait la main qui balade, elle prenait la main posée sur sa fesse et la ramenait presto, vitement vers le pôle. En fait, elle était plutôt du genre glaçon avec les gars. Mais rien qu'en la regardant, on s'allumait tout seul. Je peux pas parler de mon idole sans avaler ma salive. Je suis fan parce que ma joie de vivre s'éveille lorsque le soleil est là, et elle est le soleil. Sa musique est ma thérapie. Je canalise mes émotions et mon énergie et les transforme en quelque chose de constructif. Oscar Wilde a dit,
Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains ont les yeux fixés dans les étoiles. Et je peux dire qu'elle a les yeux dans les étoiles. Et j'oriente mes yeux de la même façon. Contrairement à ce que certaines peuvent dire, elle et moi, nous ne sommes pas des veaux décérébrés et lobotomisés. À 5 ans, elle écrivait des poèmes. Et j'en écris aussi. Je pense aux mains de Shakira, qui touche les beaux tissus, qui boit du champagne dans les coupes de cristal, qui serre les mains de gens célèbres, qui a sa table dans les beaux restaurants, à qui on ouvre la porte. Quand elle a reçu la récompense suprême, elle a dit « Ce qui est important, c'est de remercier mon équipe, les producteurs. Cette récompense est un cadeau à recevoir, mais le plus important, c'est de rendre le public heureux. Gracias por venir. Hasta la próxima. » C'est ce qu'elle a déclaré. Et ça m'a donné des frissons. C'est beau et c'est pur. Quand elle a attrapé son virus des cordes vocales, j'ai pas parlé pendant une semaine. J'avais tellement peur qu'elle arrête de chanter. Moi aussi, je veux devenir quelqu'un. Une voyante m'a dit que je percerai dans 2 ans. Et quand t'es invité et choisi,
Tu regardes bien, tu vises pas le plus beau. Tu prends celui qui a la VV avec les filles et tu sors le grand jeu. Ma fille, elle dit comme ça qu'il n'y a plus que ça comme avenir. Buzz lui a crié que faire ça, c'est ignorer le combat de sa mère. Faire ça, c'est remonter à Mathusalem, quand les femmes valaient pas mieux qu'un kilo de boucané. Et encore, ça me plairait pas que ma fille, elle devienne comme Jenny. Parce que ma fille, je trouve que des fois, elle a des prétentions à la Jenny. On dit que je suis influençable. Bon, j'ai besoin des autres, c'est tout. Du groupe. Un groupe, ça réchauffe. J'ai Lohan, mais il est beaucoup plus jeune que moi. Disons, c'est moi la maman. En plus, il doit accepter mes enfants déjà. C'est pas facile. Chez moi, c'est petit. On est superposés, disons. Chez moi, il n'y a même pas de belles chemises à repasser. Alors je passe et je repasse dans le quartier. De chez Buzz à chez Cora, de chez Cora à chez Camette, de chez Camette à chez Titia, et de chez Titia à chez Buzz. Souvent chez Buzz, car c'est une lutteuse, Buzz. Et moi, je suis pas une lutteuse. Ça va, tu veux écrire un feuilleton? Bon, Jenny, je te montre comment ça chauffe. C'est chauffe, Cora. Bon, allez. Buzz voulait toujours avoir raison. Têtu comme bourrique. Faut dire que on file droit devant avec une femme comme ça. Disons la gendarmerie. À croire que j'aime prendre le coup. Pose pipi, c'est tout l'inverse. Elle n'aime pas les tirages de tignage. Pose pipi, c'est Liliane, mon tantine. Ce tinon, c'est depuis un pique-nique en car à la montagne où toutes les 36 secondes, elle faisait signe d'arrêter pour soulager sa vessie. Elle est influençable. Ça fait son petit charme. Ça oui, on peut dire que Buzz, c'est son sergent caporal chef. Une sortie du ventre de ta mère, tu as bondi sur le monde. Mes pigeons, ils sortent de l'œuf aveugle. Le quatrième jour, ils ouvrent les yeux. Le sixième jour, je donne les graines, les plumes poussent. Le 25e jour, les ailes battent. Le 30e jour, ils ont l'indépendance et ils volent. Ils volent même dans le fait noir, guidés par les étoiles, juste la lune qui les perturbe un peu. Et toi, y a pas moyen de te soigner, de t'apprivoiser, Buzz. T'es un bataillon GIPL à toi toute seule. Oh, cacaillé donc! La ferme, Gasque! Mon bâton, je peux m'en servir pour faire courir les coqs imbibés! Je voudrais. La ferme, toi, maille pas! Surtout pas toi! Et c'est quoi, GIP? Groupe d'intervention de la police judiciaire! Groupe d'intervention de la police nationale! Nationale! Bon! on reprend l'entraînement! Et je plie la jambe droite à là! Et je plie la jambe gauche à là. Et je déplie en même temps le genou droit. Et je recommence encore un peu. À là là. Je plie la jambe droite à là. Je plie la jambe gauche à là. Et je déplie en même temps le genou droit. Et je recommence encore un peu. Faut avoir la bonne cuisse. Faut un gabarit de cuisson. Ça s'appelle des muscles, des bêtes. Mais le cuisson, ça permet une autonomie de marche à pied extra. Ça permet de marcher des heures sans la fatigue. Et puis, il faut avoir les tibias carrossés pour supporter les canettes baladeuses. La mode qui gosse, disons pas nos cas. Ben mon vieux, pas top top la chorégraphie, hein, y a de l'ouvrage. Ferme la bec. Bon, alors les filles... Bon. Thank you.
Au fait, les filles, vous ne m'avez pas demandé comment ça va avec mon boulot. Comment ça va avec ton boulot, Cora? Comme d'habitude. Regarde les boucs dehors. Ils sont à l'orange là. Si t'épasses la fenêtre, c'est le rouge grillé et mon pied derrière. Dehors, on tolère. En dedans, pas question. On est tout au bord, mais on va pas bouger plus. On n'a pas un derrière assez dur pour résister aux pieds de base. On va faire les polis. On n'a qu'à sourire bêtement. Elles sont pas dans leurs souliers quand les bâtons arrêtent pas de tomber. Je suis énervée là. Si ça continue, je tue toute la troupe là. Où êtes-vous même? Toi, je t'étrangle et à la fin, je me trucide toute seule. Vous me faites chier là, je vous le dis. Mais il n'y a pas de cause qui tienne bonne et pas ta bonne. Adieu. Vous réjouissez pas, je me pousse juste un peu pour prendre l'air. Bon, pal. Ben, Cali, ben, en ce moment, c'est moi la capitaine, donc, on reprend l'entraînement. Oui, dans la joie et la bonne rumeur. Oh, ben oui, hein, Jean. Oui, la joie et la bonne rumeur. Les femmes, elles font semblant de s'apprécier, elles font les sucrés, mais dans le fond, une soubite de femme, c'est une soubite de crabe. Elles se détestent entre meilleures copines, Coco. Elle n'est pas très soupeuse, hein, du genre Red Red. Ferme ton clapet, tu parles de ma tantine, là. Regarde comme elle est en graine. Ce soir, elle finit ma race. Eh bien, on fait ça, enragé, toujours en bébé. Balance, gars, tu fais quoi la nuit? Ben, mon possible, Coco. Alors, tu fais quoi? Fatigué, mal à la tête. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as tout de suite, là, Coco? Oh! T'es comme un ravi de la crèche, là, Coco! Rien! C'est Jenny! Un jacaranda en fleurs! Ils ont les yeux qui saignent, avec vous! Ta mère, tu bouges encore? Regarde pas, Jenny! C'est pas pour nous! C'est pas notre planète pour nous! Moi, je lui plais à Jenny. Je sens que je lui plais. Ce qui lui plaît pas, c'est que je viens d'ici. Elle aime pas les gens d'ici. T'es comme moi. On n'est pas des mecs à avoir des coins sûrs, des situations sûres, des sentiments sûrs. On peut rien y faire, ce truc. Peut-être que si, on peut faire. Faire quoi, gars? On était un peu bête par-dessus bête dans ce temps-là. Alors chaque fois on se faisait rabrouer. Alors chaque fois on repartait sur la pointe des pieds. Mais pas trop loin. Pas très loin. Fallait veiller sur Jenny. Pas trop loin. Point serré. Piqueur dans le cœur. Jupe dans la tête. Amarré comme bœuf. Deux chiens bonbons. Quatre pattes dans le monde. Coloque un son. Saute sur moi, mon petit pigeon. Pas trop loin. Dans l'odeur, la brise. Dans la lumière, le réverbère.
Parler. Parler. Blablater. Blablater. Boire. Fermer les yeux pour plus voir. C'est un petit quartier, bien, bien ensoleillé. C'est un petit quartier qui a la volonté. Ni poulet, mobilette, camion bas, c'est la fête. Les dos sont bien courbés, le boulevard éclairé. C'est un petit quartier, bien, bien ensoleillé. C'est un petit quartier voilà, qui a la volonté. On a nos footballeurs, on a nos amuseurs, des buvettes à gogo, une petite salle des fêtes, et même nos majorettes. Tension la société, tension, tension, avec la claque ça va faire boum boum. Au programme mes compères, l'actualité toujours brûlante, chaud devant les talons. Un homme déclaré mort, kiné, trépassé, semble avoir été aperçu la nuit dernière en pleine forme par les habitants du côté du lavoir à la pleine lune. L'enquête est lancée. Un danger nous a été signalé sur la 4 voies longeant notre charmant quartier. Je vous le dis, citoyens, prudence et vigilance sont les deux mamelles de la... Bref, un homme marchant en plein milieu de la chaussée dans la direction du nord, semble-t-il. Il serait en possession, semble-t-il, d'un objet dangereux, semble-t-il, qu'on n'a pas encore entièrement identifié, semble-t-il. Carré H, David, dont on vous a donné des nouvelles précédemment, a été amené en ambulance ce matin, direction l'hôpital des Cassés. Ce qui provoque une grande émotion et une colère vive ici. Je cite, « Rendez-nous nos fous, rendez-nous nos fous. » Carré A, pour Kim, tout est rentré dans l'ordre après l'émission L'Amour en ligne, où Sonia lui a enfin déclaré sa flamme devant des milliers de téléspectateurs. Pluie de klaxon, bip, bip, hourra, bip, bip, hourra, bip, bip, hourra. Dans le quartier, certains songent à revendre leur écran plat. Carré O, un habitant a signalé... A signalé un habitant que des fleurs ont été volées sur une tombe dans le cimetière. Mystère sur une jolie touffe d'orchidées dont on n'a plus de nouvelles. Franchement, à dire, on est en colère. Une vigile de surveillance et vigilance a été mise en ligne. Réunion au cœur de cité, thème. Comment concilier poulailler et clapier avec appartement et voisin, totochement en vue. Carré H, Paloma a découvert une lettre anonyme dans sa boîte. Oh là là, menace de jetage de sort, juron, cochonnerie, retotochement en vue. Deuxième sommation pour le ou les brigands qui auraient tiré à la carabine sur le chat de la petite Jenny. Et enfin, bonne nouvelle, Sylvain a réussi son bac brillamment et rentre à l'université. Ouais, hourra, 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 de tout le monde à l'intellectuel du quartier. Et dimanche. Et dimanche. Dimanche. Non, ma jojo, non, ma jojo, non, moi j'aurai tout. À la pour aujourd'hui. Les nouvelles de claque au concert. On dit pas majorette. On dit tout à ligne bâton. Vendredi soir, on est allé danser. Et pour une fois, elle est venue. On faisait ce qu'on appelle la danse de cirque. On fait ça tout le temps. On occupe toute la place sur la piste. On nous regarde, parce qu'on est un peu des vedettes maintenant. Buzz avait fait un rêve de prémonition qu'il fallait à tout prix qu'elle aille faire un faux dessin sur son pied. Alors, elle avait fait sa bonne heure le matin. Elle voulait une fleur genre rose d'amour éternel. Mais finalement, elle trouvait que ça ressemblait pas du tout. C'est vrai, c'était un peu en barbouillage. On l'a consolée et elle s'est défoulée encore plus sur la piste. Jenny regardait tout le monde en détail. Je lui ai dit, tu fais quoi Jenny? Je regarde comment les gens sont habillés. Je repère les marques, comment les accessoires sont assortis. Je me pose des questions, je m'intéresse à la mode. Ça me servira plus tard. Il y a des détails à prendre chez tout le monde. Je note tout. Notez où? Dans ma tête. J'avais mal aux jambes. J'ai pris ma rousse. Je me suis frottée un peu.
Je suis allée nous chercher un gin, mais elle n'a pas voulu boire. Je préfère ménager ma santé. J'avais jamais entendu un affaire pareil. Ça m'a décontenancée. Pour la peine, j'ai bu les deux verres d'un coup pour commencer. J'ai eu des doutes sur la santé de Jenny, mais je l'aimais bien. J'aurais voulu mieux comprendre Jenny, mais ça, je gardais pour moi, je disais rien aux autres là-dessus. Jenny, elle ne me parlait rien qu'à moi, pas aux autres. Ah oui, 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 on peut dire que j'avais Jenny en affection, même si je l'aurais bien talochée des fois rapport à sa suffisance. Dans le quartier, tout le monde me raconte ses histoires et ses commérages, à croire que j'ai des grandes oreilles. Je fais des ménages chez des gens. Nous, les gens de ménage, on connaît les intimités et les histoires, le linge propre comme le linge sale. Mais on sait mettre son mouchoir sur sa bouche, entendre tout, le pire comme le meilleur. Mais on se tient comme tombe la pierre. Tu nettoies la merde et tu rends tout net comme si la merde n'existait pas. Quand j'astique, je profite pour plier sur les jambes et faire les étirements pour le twirling du soir. Je travaille chez une femme en ville. Les bonhommes, quand ils ont la rage, ils vont voir une putain. Les femmes, elles prennent une dame de ménage. Elles vont nettoyer leur nid à l'eau de Javel. En tout cas, je peux dire que chez les riches, c'est pire que chez nous, la crasse. Et pas que la crasse dans les cabinets. Ah bah, d'ailleurs, c'est tellement bien connu qu'on voit dans les feuilletons. Au grand jour, comme qui dirait. Enfin, moi, c'est Cora, comme vous savez. Je porte bien mon nom. Fragile comme le corail lagon. Mais attention, hein, je peux graffiner si on le rôde. Les ménages, un mari qui dort et qui ronfle dès que sa fesse trouve un fauteuil, deux grands mamas qui révolutionneront jamais rien du tout et qui ont toujours la bouche ouverte à attendre de manger et qui louent mon porte-monnaie que je dois cacher. Danser, ah ça c'est mon affaire, danser jusqu'à étourdir. Et le matin bonheur tenir debout pour toute la case parce que rien ni personne d'autre que moi tient droite là-dedans. Comment ça va aujourd'hui, Jenny? Je viens de regarder la ligne capsule de Shakira pour H&M. C'est trop beau. Capsule de quoi? Une mini ligne de vêtements, une mini collection. Collection de capsules? Laisse tomber. Enfin, je vais t'expliquer. C'est une mini ligne de vêtements qu'une marque propose aux stars. Ah, c'est original. Alors elle a été enchantée de la proposition. Elle a dit, je suis pas spécialiste. J'ai utilisé mon instinct pour créer. J'ai un profond respect pour les femmes et j'ai voulu les sublimer. Et en même temps qu'elles soient à l'aise, un mélange de cool et de paillettes. J'ai voulu montrer une autre facette de mon dressing. Je suis pas tous les jours overliftée, je veux dire overlookée. Bref, une femme chic, mais gaie et spontanée comme le soleil de mon pays. Vous trouvez pas qu'elle a vraiment ce truc en plus qui fait la différence? Si tu dis, ça doit être vrai vraiment. Elle aurait aimé être réincarnée en panthère. C'est fort ça, puissant, puissant. Tu as quel âge, Cora? Quel âge? Ah, je dis jamais. Ça a toujours été mon petit jeu. C'est un sacré truc, le twirling, Jenny. Et personne ne se rend compte du travail. Faut une souplesse de poignet. C'est comme les jongleurs de cirque. Quand j'entends dire « cage au rec », je trouve c'est choquant. Les gens disent des trucs avec leur bouche sale, on les entend. Mais heureusement, il y a toujours du monde pour nous applaudir sur le bord de la route. Enfin, moi, à toi, je vais dire, je suis dans la quarantaine. Mais la quarantaine passée, bien passée. Enfin, plus proche de la troisième jeunesse, mais pas encore tout à fait quand même, m'a dit. Tu as de très jolies jambes pour la quarantaine. Ah merci Jenny, c'est l'exercice ménager. Elle a le genre de style qui défie la gravité, c'est une super cuisinière et elle assume ses kilos. C'est moi ça? C'est une de ses chansons, mais je trouve qu'elle te va bien. Bah, merci bien. Cora, c'est une pêcheuse de lune. C'est pour ça que je m'étais attachée à elle. Jenny, elle m'aimait bien. Elle disait que j'étais naïve. Oui, je suis naïve, tout le monde dit. Mais je me laisse quand même pas grimper, monter dessus comme une vache, ça, non, hein. J'ai pas été loin dans l'école, mais en regardant autour, je vois que je suis pas dans la bêtise. La preuve, Jenny, elle ne parle rien qu'à moi. Et Jenny, en plus d'être jolie, elle est intelligente. Ah oui, plus qu'eux, elle aurait pu être ma fille. J'aimais bien Jenny.
C'est comme ça. Personne n'a gagné m'empêcher de bien l'apprécier. Personne. Ça va, ta nouvelle copine, Cora? Ça va, ta nouvelle copine, Cora? C'est qui le tout qui aurait mis la tête sur la place arrière? Elle te sait des choses sur nous, hein, Cora? Sinon, tu nous dirais, hein, Cora? Oui, tu nous dirais, hein, Cora? Et nous, elle t'a parlé de nous? Rien sur tout ça. Rien à foutre de tout ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein, Cora? Tu crois que tu finis par vous causer, hein, Cora? C'est nous, ta famille, Cora? C'est pas oublié! Et nous aussi, elle a parlé de nous! Elle a rien dit, jamais! C'est moi qui dis! Tu dis quoi, Cora? Oui, on t'écoute, hein, Cora? Faut choisir son camp, Cora. Oui, ça va. Tension la société. Tension, tension. Avec clac-clac, ça va faire. Boum, boum. La radio 24 sur 42. Un max d'infos, l'humeur du quartier, la laine en moins. Quelles sont les fucking bonnes nouvelles aujourd'hui? On aimerait tous avoir perdu la mémoire ici. N'importe quel de nos morts complique la vie. Ainsi vont les morts quand ils sont encore vivants. Ne pleurez pas, mes chéris, non. Craignez plutôt. Ce matin, pas de nouvelles des blocs. Comme tous les jeudis, espace, auditeur. À vous la parole, bonne comme mauvaise. Jetez vos gueules dans les vagues. Balancez vos tripotés de bec. À vous l'antenne. C'est parti, mon kiki. Le thème d'aujourd'hui, Noma Jojo, Noma Jojo, Noma Jorette. Ouais. Question simple, tout début. Que vous évoque la majorette et quel effet vous procure une majorette? Allons-y, on y va, c'est parti! Parti! Allô? 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 Ouais, c'est pas un problème. Oui, c'est pas un sujet qui va faire oublier les problèmes. Ce truc des majorettes, j'hallucine. On n'a pas fini de voir le ciel nous tomber sur la tête, hein. C'est nul les questions, zéro calebasse pour l'émission. Et je rajoute que. On coupe. Merci monsieur, merci. On prend un autre auditeur, s'il vous plaît. Allô, on n'a pas personne? Évidemment, il y a quelqu'un, il est mignon. Merci d'avoir patienté, on vous écoute. Moi, ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'un monde la trouve un petit lapin blanc, yeux rouges dans l'escalier de bloc A, SVP, merci s'il vous plaît. Merci, merci, mais c'est pas le sujet, on passe à un autre auditeur, envoyé à allô. Allô? 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 Allô, allô? Allô, allô? 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 Allô, bon, on évacue. Allô? Oui, voilà, juste pour dire... Depuis elles tournent les bâtons, elles ont dû perdre des neurones! C'est tout? Ben oui, il suffit pas de dire! Merci d'être intervenu sur notre antenne, c'est sympa. Merci pour elle. Allô? Allez les filles! Ouais. Allez les filles! Ouais, ouais. Qui c'est les plus belles évidemment? C'est vous-même! Ouais. Tous les dimanches midi, vous brillez comme le soleil! C'est merci, ouais. Merci, merci! Allô? À l'oreille? Justin de Mégognabé, ça! On a le toupet d'Apple Sasport! Disons la maison de retraite des gymnastes! Et Dieu, il y a des gens critiquent le bisbolet! Merci, merci, chers auditeurs, il est exactement 9h50. Doudoudou. Allô? Pourquoi?
pourquoi les majots ont un neurone de plus que les chevaux? Pour pas chier pendant les défilés. on coupe. Allô? C'est Josette du bloc H, ça. Je suis désolée, mais il faut les gens laisser vivre leur vie. Les gens disent ça se fait pas, et patati, et patata, et ben non, il faudrait pas, et patati, et patata. Moi je dis qui dit majo ou pas, laissez-leur vivre leur vie, hein, vous voyez, faut arrêter, hein, comme elle a. Merci madame, merci de votre intervention. Au suivant s'il vous plaît, allô. Oui, gros René ça. Moi je dirais que sans la grossièreté que... les majorettes, c'est des jambons enfilés dans des bas. ou une Barbie paramilitaire que t'es obligé de l'emmener au McDo avant la conclusion. Coupez. Bon, dans ce sens, c'est pas complètement... Allô? Je vais languer un mot là. Moi, j'adore les majosos, les majorettes, avec leurs sacoques, sa plume sur la tête, leurs paillettes sur la bouche. Elles mettent l'ambiance de feu, disons, c'est l'Amérique quand tu vois. Et voilà. Bravo, monsieur. Merci pour elle. Au suivant. Allô. Gaston Jacosa, c'est pour un dédicace. Voilà. Message pour Canette. On compte toujours sur ta fléchette entière. Ouais. Message pour Gwen. Hé, t'as pris pas mal de projectiles, mais tu désespères jamais. Jamais. Message pour Sophia. Après 4 dimanches d'absence, tu es pénalisé par 4 kilos supplémentaires. Dommage. Message pour Virginie. T'as jamais pu faire illusion, ma fille. Ah, non. Message pour la petite nouvelle, Mylène. Top le déhanché. Message pour Buzz. Laissez les fesses, Tantine, c'est pas bon pour la santé. Message pour Cora. Hé, t'as le groove, cocotte. Mais t'as pas le rythme. Message pour Pause Pipi. Franchement, le cuisseau. Et le meilleur pour la fin, Coco. Jen. La grâce. La race. Le chien. Le rêve. Oh, tu es belle comme une Ferrari. On t'aime, Jen, on t'aime. On t'aime comme une Ferrari. T'es tellement belle, Jen. Mon sirop, mon pigeon. Ah, qui voilà. Oh là, les gars, on vous a reconnus. Dégagez les fesses. Les furies fondent sur vous. Chers auditeurs, pour finir malgré le bordel, j'oserai deux, trois petits couplets de Pierre Perret et Benabar qui ont si joliment compté les majorettes. De cheval, une sirène avec des jambes. Normal. Sa mini-jupe rouge que j'aime vachement parce qu'on voit sa culotte tout le temps. Tout le monde applaudit Mademoiselle Jeanne qui marche à reculons lançant sa canne. Et qui se dit en souriant à monsieur le maire, pourvu que je me foute pas la gueule par terre. La grosse moustachue qui les gouverne a dû faire l'exode sur une citerne autour de ses 120 kilos de graisse pure. Sa mini-jupe a l'air d'une ceinture. Faut les voir au départ de la kermesse, leur petit sein en crête de coq se dresse. Mais hélas, à la 28e borne, ils sont devenus comme des pop-corn. Tension, la société, tension. Voici Claque en direct du quartier. C'est dimanche 1er et on est tous en suée. Soleil, il chauffe en paquet. Tous en suée, mais prêts à amuser. Claque aux manettes, flac aux trompettes. Approchez. Voilà le défilé.
Tu souris pour les gens, jamais pour moi, Jen. Ta jupe et toi dedans, je vous trouve jolie. D'habitude, je parle pas comme ça sur les jupes, pas des discours sur les jupes, mais toi dedans et la jupe dessus, c'est beau. Mon pigeon. J'ai envie de dire, mais je dis rien, Jen. Tu veux un club? Je t'offre. Ou deux, si tu veux. Mon pigeon. Elle est bien, ta jupe, avec toi en dedans. Elle est courte aussi, ta jupe. Ah là. Enfin, haute, je veux dire. Haute, haute. C'est pas possible, une jupe si haute. T'as trop remonté l'ourlet, Jen. Peut-être t'as pas fait exprès, t'es tellement raffinée. Je critique pas, c'est beau. Mon pigeon, tout ce duvet soyeux sur tes jambes. T'inquiète pas, je fais jamais de mal au pigeon. Mais c'est pas prudent. On a le droit de rêver. Rêver d'un truc qui nous envolerait avec des grandes ailes de pigeon, qui nous soulèverait hors de la terre. Les gens, c'est comme des diamants, qu'on devrait les traiter tous, or on nous traite comme du toc. Toi, tu dois jamais devenir du toc, t'es un vrai diamant, Jen. Un diamant de pigeon, le plus rare du pigeonnier, et qui monte le plus haut dans le firmament. Pourquoi tu nous détestes, Jen? Oui, on s'imagine des choses. Pourquoi tu nous parles pas? Tu sais, ici, on sait pas pourquoi un jour ça pète un câble. Tu veux bien prendre un club? Un club, ça engage à rien. Juste un. Le monde est chaud, le monde sue, le monde s'écorche la gueule. J'ai froid. J'ai les doigts gelés. C'est la première fois que je meurs. Ça fait un peu drôle la première fois. J'ai plus d'énergie là. Je suis plus là, là. Je pourrais plus aller danser ni défiler. Tête dans la main, le cerveau grand ouvert. Les heures couleur d'herbe froissée. La pluie des regards dans mon regard. Je mâche le goût sourd de ma peine. Je suis un minuscule accident. Je ferme les yeux et j'imagine ma chambre avec les photos. Ma chambre où j'ai passé tant d'heures en tête à tête avec mon idole. Et tous ces mots de garçons griffonnés sur des bouts de n'importe quoi! J'ai des brins d'herbe dans les cheveux et des pagodes sur ma rampe. Je suis plus moi là. Je vais m'envoler et je serai épinglée dans le ciel avec les autres étoiles. Je vais enfin être dans le ciel. Je vais enfin pouvoir me passer de Shakira. Quelqu'un veut bien me raconter une histoire? Une vraie histoire, pas une histoire virtuelle. Quelqu'un veut bien coiffer mes cheveux, s'il vous plaît? Me maquiller, s'il vous plaît, vous allez m'aider? Ne peignez pas trop mes lèvres, juste ce qu'il faut. Faites-moi la tête de mes rêves, une tête de Jennifer pour une fois. Je vous fais confiance. Qu'on parle de moi un peu dans le journal ou à la télé. Je vous fais confiance. Regardez le ciel. Je vous aime. C'est vrai, je vous aime, je vous ai tout de suite aimé. Mais vous l'avez jamais su, jamais vu. J'arrête mon sang là, là. J'arrête là. On dit que je suis mauvaise, que j'ai un galet dans le cœur. Ici, comment faire pour pas avoir une roche en place le cœur? Si t'as pas ça, t'es à terre. Et moi, je veux pas être comme la traînasse à jaunir. Ici, il faut un bouclier et des fois une armure en entier, sinon... Qui dit que je pleure pas en dedans? Qui peut dire ça? Quelqu'un ici peut dire ça? Qui dit que j'aime pas rire? Qui a l'idée de la distraction? Qui s'est démerdé pour l'organisation? Qui confectionne les costumes? C'est pas ma faute, cette histoire. Elle se prenait pour la princesse, elle voulait que tout soit propre.
Quand elle a commencé à sentir la confiance et à parler, elle disait que dans son quartier d'avant, il n'y avait pas de graffiti. Elle traitait nos garçons de petits cons parce qu'ils avaient pété la sonnette de leur bagnole à donf et que les basses n'étaient pas bon pour son petit cœur d'artichaut. C'est vrai que nos jeunes, c'est des petits cons des fois, mais juste nous, on a le droit de le dire et sûrement pas une étrangère. Elle nous regardait dessus son piédestal. Une fille qui fait rien que sucer les pages de magazines. Qui veut gagner, qui veut voir sa petite gueule qui s'allume sur le glacé des feuilles et sur l'écran. En fait, je regrette le mot salope, mais j'étais pas loin de la vérité. C'est fatigant, elle est sachante. On n'était pas habitués, il n'y a pas de sachante ici. Enfin, jusqu'à ce qu'elle pointe son petit cul. On l'a accepté, même si dès le début on reniflait pas. Il n'y a que nos gars qui la reniflaient bien, si vous voyez ce que je veux dire. Et en premier, mon gasque. Mais on peut pas dire qu'on était jalouse. Ça non, on peut pas dire. Ce serait pas juste après tout ce qu'on a fait pour elle. C'est quand même grâce à nous que l'agence de mannequin l'a repérée. Elle avait entièrement pas raison, mais c'était pas une raison pour déclencher tout le temps des émeutes et que, comme pas par hasard, ce soit elle qui... Elle a porté malheur dans notre quartier. On aurait dû se douter, son signe astrologique c'était Balance. Je te dis pas pardon, Jenny. Mais je te dis... Je te dis... Rien, putain, j'ai plus rien à dire. Il a d'abord cru qu'elle était tombée juste. Après qu'elle jouait à la morte dans le fossé. C'est quand Lai, un gars du quartier, qui l'a vu. Il a vu la botte en premier. Il a dit qu'il n'a pas tout de suite compris parce qu'il était sous. Il a dit qu'il a pédalé comme un PLG jusqu'au bloc des parents de Jenny pour tenter pour la première fois de lui adresser la parole. Pour dire. Essayer de dire. Il a dit qu'après pédaler jusqu'au rond de majorette, les filles étaient en prestation. Nous aussi on était à la prestation pour mettre la main. Après, on a vu les parents de Jenny arriver, s'approcher de l'estrade. La mère de Jenny a brandi la botte sur l'estrade. La botte brille au soleil, juste à côté de botte. Je rappelle les yeux de la mère de Jenny, un papillon pris dans la lampe. Je souviens la bouche de son père, on dirait qu'il avait l'esprit. Il avait la figure et les cheveux mouillés. Au début, tout le monde a continué la fête. Au début, personne ne comprenait rien. Après un instant, la musique a stoppé. Après un instant, on s'est tous regardés. Après un instant, on s'est tous accusés. Après un instant un peu plus long, on s'est solidarisés. Après un putain de l'instant, on a essayé d'oublier entre nous. Mais ça, on n'a jamais pu. Regardez la ligne, le terrain de foot, la ligne, la ravine perdue. Le carré, les cours, le rectangle, les blocs, le rond majorette, le tracé marelle. Et les marmailles continuent à jouer. Même quand plus rien bouge, les marmailles continuent à jouer. Gasque a arrêté les pigeons. Mais il y a toujours un qui revient tout seul, fait des ronds dans le ciel. Bonsoir la société. Tension, tension. Avec clac clac, ça va faire plouf plouf. Il est 22h du mardi soir. Claqué claqué. Voici pour la soirée une dédicace pour qui vous savez. Y el deseo abrir la nieve.
Gracias por venir. Hasta la próxima.